Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu du caribou. Oui, délicieux, caribou. La boisson officielle du Festival du Voyageur. Oui, je pense, justement, oui, je pense qu'on peut, dire que c'est la boisson officielle, oui. C'est une boisson alcoolique, puis ça vient du Québec. Aujourd'hui, le caribou, c'est vraiment un mélange de plusieurs choses. C'est un vin fortifié, en fait. Alors, on peut faire du caribou avec du brandy, du vodka, du sherry, puis un peu de porto aussi. Donc, comment est-ce que le caribou est devenu une partie du Festival du Voyageur? Ben, je pense que c'est une bonne chose d'avoir en hiver. Ça nous réchauffe. Oui, ça nous réchauffe. Comme j'ai mentionné, ça nous fait passer à nos traditions. Les traditions de les ancêtres des voyageurs. Puis aussi, c'est une tradition maintenant du Festival du Voyageur. Ça fait 44 ans maintenant, on a notre propre festival, puis on a notre propre folklore, nos propres traditions. Puis le caribou, c'est vraiment une de ces traditions extraordinaires. Puis un peu du folklore du caribou, c'est que ça vient des cours des bois, des bouchons, des gens qui allaient dans le bois au Québec. Faisait de la chasse. Il chassait des caribous, puis pour garder au chaud, puis de ne pas boire trop, il mélangeait du sang de caribou avec du whisky ou un autre alcool de même. Pour clarifier, ce caribou, le caribou qui se vend au Festival du Voyageur, il n'y a aucun sang de non, caribou. Non, aucune bête était vraiment menacée pendant la fabrication du caribou. Puis ça vient tout de l'Est. Puis évidemment, avec la migration des gens, de culture, de tradition, ça est venu ici à Saint-Boniface, à Baie-Toulon. Devrait-on essayer un peu de caribou? Je pense que c'est l'heure, là. Non, c'est bien, là. Hey ho! Hey ho! Oui! Quelle était votre première fois ou votre première expérience avec le caribou? T'as pas besoin de tout nous raconter. Ok, ok, excellent. C'est pas comme Taxi Cab Confessional. Que tu viens-tu? Un peu, oui. En fait, c'était ma première année comme interprète historique. Moi, j'ai commencé au festival comme interprète. Moi, je suis forgeron. Donc, oui, je travaillais dans la forge. C'était comme une journée de 15 heures de travail. J'avais pas de pause. J'étais dans la forge toute seule, toute la journée. Puis, un de mes amis qui est interprète aussi, on a décidé de prendre un petit coup après travail, après que la forge a fermé. Puis, j'ai rencontré des gens, puis on dit, « Oh, you really gonna try this thing. Il faut que vous essayez du bon caribou. » So, j'ai dit, « D'accord, absolument. » Puis j'ai pris des coups de caribou tout en costume du voyageur après travail, puis c'était une excellente soirée. Donc mon histoire, ma première expérience avec le caribou, c'était au Festival du Voyageur. Ok, excellent. Le CUSB, à ce temps-là, c'était le CUSB. Oui. Le CUSB organisait comme un pub crawl pour les étudiants. Ah oui. Le caribou faisait partie de la soirée. Ah, yes. Et c'était ma première fois à essayer. Et je me souviens que j'aimais pas vraiment le goût. Mais maintenant que je bois beaucoup plus de vin et je bois aussi des porto, j'aime vraiment le caribou. Ça se boit l'année longue. Moi, je pense que oui. Ouais. C'est un goût vraiment particulier, mais je trouve que ça va bien avec d'autres choses, puis après un repas, après un souper, c'est parfait. Ben, cheers. Hey ho! À la tienne! Yeah! Bon ça.